les mêmes options. Par contre, cette fois-ci, j'ai utilisé l'application cet après-midi et j'ai fait une trace. Donc, par exemple, si on clique sur les propriétés, non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là, pourquoi ça marche pas? Fail, ça l'a pas enregistré. Bon, c'est pas grave. Alors, normalement, il y en avait une. Mais celle-là, elle est bonne normalement. Que ça, par contre, comme vous voyez, elle est de 2009. Je l'avais pris avec le GPS IGN et il y a la possibilité en fait de rejouer cette trace parce qu'en fait, il arrive à se souvenir de la vitesse à laquelle vous alliez. Donc là, c'est que bon, là, je passe en accéléré. Je vais reculer un peu, par contre. Tac tac. Je repasse en 3D. Donc tout ça se fait de manière très naturelle. Et voilà, ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, donc ça, il y avait ça pour la simulation. Et si je clique sur la route. Donc vous pouvez voir en fait que en termes d'amélioration, parfois on clique à certains endroits et c'est pas encore très précis. Je pense qu'il faudrait qu'ils améliorent ça, cette info. Voilà, il y a accès à tout un tas de données, les altitudes, les distances. C'est très pratique, voilà, surtout en mode off-road. Après en mode non off-road, c'est pas très très utile. Hop là, donc il y a aussi Internet Content. Donc si vous avez un compte Dropbox, vous rentrez vos informations et vous pouvez aller précharger vos fichiers qui sont dessus. C'est plutôt sympathique. Ensuite, donc découvrir avec le geocaching. Ouais, c'est la seule chose qui change. Donc le geocaching en fait ce sont des choses à découvrir dans la nature et en fait vous pouvez vous aider de votre GPS pour les trouver. Ensuite on va passer au réglage parce que c'était une des choses que je n'avais pas fait pour l'instant. Donc en ce qui concerne l'affichage, là, par défaut, il y a la carte qui se met automatiquement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, l'orientation est au nord ou en fonction de l'orientation de la boussole. Là, c'est en mode 3D. Ça, c'est le délai de recentrage. C'est par exemple, je bouge la carte et en fait, il va falloir 10 secondes avant que la carte se recentre sur ma position. Il y a aussi la possibilité de mettre des thèmes. Alors il y en a un qui est en orange qui pète bien. Voilà, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais le laisser, ça fait un peu mal aux yeux. Donc là, l'affichage du nuit qui se met soit jamais, soit tout le temps, soit aussi dans les tunnels. Là, les étiquettes, vous avez la possibilité de leur donner plein de caractéristiques en fait. Tout ça est très très bien fait. Il y a des tonnes de possibilités. Même le pointeur, on peut lui mettre celui qu'on veut. Par exemple, je sais pas, en jaune. Et si je retourne là, vous pouvez voir que maintenant mon pointeur il a changé. Alors ça sert pas à grand chose, je reconnais. Mais après tout, c'est voilà le fort de cette application, c'est vraiment qu'il y a absolument tout qui est configurable. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre différents types de véhicules. Grosso modo, un véhicule égale une vitesse moyenne. Donc, c'est pas pareil. Vous pouvez mettre un piéton, mais lui donner une vitesse de croisière de 50 km/h, quoi. En fait, ce sont voilà, juste des modèles prédéfinis qui peuvent s'améliorer, que vous pouvez plutôt personnaliser. Le track log, c'est quand vous tracez une route,
Donc là, vous pouvez choisir si c'est soit par la distance, soit par le temps, ou soit par un algorithme du meilleur entre les deux. Au niveau des formats de sortie, c'est du TRK ou de l'IGC, sachant que le TRK peut ensuite être converti en KML, donc c'est le format de Google Earth, par exemple. Voilà, vous avez un éco-calculateur. Donc si vous renseignez votre véhicule avec ses émissions en CO2, et une fois que vous aurez terminé votre route, il vous dira que vous avez consommé tant de CO2. C'est plutôt pratique, surtout pour une application qui dit off-road, parce que voilà, en 4x4, en quad, en moto, ça vous permet de mesurer votre impact. Ensuite, vous avez plein d'outils à nouveau configurables. Je vais pas trop m'avancer là-dessus parce qu'il y a de quoi y passer des heures tellement il y en a. Voilà, grosso modo, je pense avoir fait le tour de ce GPS qui donc se base ah oui, si, sur principalement des cartes en offline, comme vous avez pu le voir avec ce qui était la route. Mais pour l'off-road, vous avez deux choix. Soit vous êtes en gros tout le temps dans la même zone, et donc auquel cas la meilleure chose c'est d'acheter des dalles qui font voilà, des zones. En fait, à chaque fois que vous lancerez comme TrueNav, et ben en fait voilà, vous serez géolocalisé avec cette carte IGN. Mais imaginons vous allez vous changer souvent d'endroit, et ben en fait vous avez la possibilité via les cartes du géoportail. Donc là il faudra par contre une connexion GPS pour que ça soit pris en compte. Pardon, une connexion internet, pas une connexion GPS. Voilà, donc c'est le fort de cette application. Elle peut être soit totalement offline, mais peut être tout de même améliorée en online. Donc c'est clair que ces fameux 41 euros, c'est assez excessif. Mais pour avoir utilisé cette application, c'est vraiment, voilà, si vous faites de l'off-road, c'est vraiment une application à posséder. Il n'y a pas à dire. Je tiens à tout de même à préciser, voilà, qu'on m'a gentiment prêté des cartes pour ce test, mais en aucun cas c'est un truc sponsorisé. Je veux dire, si j'ai envie de dire que c'est un mauvais produit, je vous le dirai. Mais vraiment, c'est pas le cas. Le seul dommage, voilà, c'est que ça soit vendu aussi cher. Alors je sais pas s'il va y avoir des promos ou des trucs comme ça, mais voilà. Voilà, c'est une application à posséder. Dans la suite, je pense que je vais insérer une autre vidéo. J'espère que j'aurai résolu le problème du mal de mer, parce que sinon, je vous plains. Là, je viens d'essayer l'application TrueNav en situation réelle. Alors, il n'y a eu aucun bug ni quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, là sur la carte, c'est ce qui est. Voilà, ma trace, elle est en rouge. Mais là, c'est toujours en train d'enregistrer. Hop. Grosso modo, il n'y a pas eu de plantage ni rien. J'aurais aimé en fait vous montrer l'application, du moins, tout en roulant, mais en fait c'est pas possible parce que conduire et tenir un téléphone plus un appareil photo, c'est assez difficile. Comme vous pouvez le voir en ce moment, l'orientation c'est selon celui du téléphone, donc il y a la carte qui bouge, mais si on met au nord, voilà, c'est comme ça. J'ai beau tourner dans tous les sens, ça reste tel quel. Il y a aussi la possibilité de la 3D. Et donc voilà, plus loin en fait on arrive à voir Allez, déplace-toi.
Ouais, bon, c'est pas grave. On arrive à voir en fait l'Ardèche en bleu. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Sachant que là, la route elle est encore en train d'avoir lieu, on a accès à plusieurs informations. Alors, je vais revenir au début. Donc là, par exemple, ça nous indique l'heure, mes coordonnées actuelles. Bon, ça, c'est pas très utile, le lever du jour et la tombée. Depuis combien de temps la route est enregistrée? Ma vitesse moyenne, la distance parcourue, l'ascension. Ça, c'est en fait, si j'avais mis des points, ça m'aurait indiqué la distance à l'arrivée, l'écart avec la route, etc., etc. Et on peut voir aussi qu'il y a une petite boussole. Voilà. Ensuite, là, il y a le profil. Vous pouvez voir que c'est plutôt bien fait là-dessus. Voilà, donc ici, c'est les cartes IGN du géoportail. Ça se remarque parce qu'il y a cette petite barre de téléchargement et j'ai pas rencontré de soucis particuliers avec. Voilà, donc pour l'instant c'est une application à conseiller sur Android.